Bien bonjour, moi. Je suis Annie-Flore Bacilili. Artiste, chanteuse d'origine gabonaise, je chante depuis plus de 30 ans et depuis 2019, je suis médiateur professionnel en entreprise pour installer la qualité relationnelle. Serein et libre. Pour moi, la culture de la paix, c'est en premier faire l'inventaire de la place de la responsabilité de l'humain vis-à-vis d'autrui et de voir quel est l'apport de tout un chacun pour concrétiser le seul bien nécessaire à l'humanité, la paix, par des actions. Ces actions doivent être sur la base de la bonne volonté collective en mettant le bien-être de l'humain au centre de l'organisation. Et en deuxième, la culture de la paix, c'est l'information, la formation, le respect, le partage et la responsabilisation de tous pour que chacun fasse sa part pour la paix par l'unité de la diversité. Mais la promotion de la culture de la paix, c'est une responsabilité de tous. L'implication des artistes par leurs œuvres, les médias par la diffusion de ces œuvres, le public et les organismes, tous devions nous impliquer. Oui. La musique étant un des langages de l'art, elle participe grandement au partage de l'amour que demande l'existence de la véritable paix dans une famille, dans un village, dans un quartier, dans une ville ou dans un pays. Donc je répondrai oui, la musique participe à l'émancipation des peuples. Dans la vie, je pense qu'il faut participer, il faut faire sa part. En ce qui concerne l'école, c'est un devoir. Je forme pour rendre la monnaie de ce que j'ai reçu. Et le festival de musique, les Nuits Atypiques de Miromain, l'objectif était de donner rendez-vous aux enfants des villages, au village, d'inciter la jeunesse au travail de la terre, de créer des emplois, de renouer avec le troc qui rassemble et qui garde la dignité humaine intacte. Parce que tu donnes ce que tu as, tu donnes ce que tu es et tu restes juste. Je pense que ce serait mieux que je prenne ma guitare pour vous chanter juste un refrain. Et si la division est une plaie, l'entente est la guérison.